Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous au téléphone sur Guérit TV Monde. L'élection de l'exécutif municipal de la ville de Paracou a été reportée à une date ultérieure par le préfet du Borgou. Cela sera question dans cet entretien avec Malik Chabi Hiro. Malik Chabi Hiro, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Alors, l'élection du maire, des adjoints au maire, des chefs d'arrondissement de la ville de Paracou, reportée à une date ultérieure. Que peut-on retenir de façon concrète? Bon, bonjour, je vous remercie, cher ami journaliste. Effectivement, ce matin, comme convenu, le conseil municipal de Paracou a été convoqué pour la reprise de l'élection du maire de ses adjoints. Mais le constat est que, à la séance d'ouverture de ce conseil, le préfet a reporté sine die la reprise des élections. Bon, l'explication qu'on peut apporter, et en tant qu'observateur, je dirais observateur, je ne suis pas une voix autorisée, mais en tant qu'observateur de la scène politique ici à Paracou, c'est qu'il faut reconnaître que depuis l'annonce de la fameuse reprise des élections ici à Paracou, la tension est vive. Ça, il faut le reconnaître, la tension est vive. Les populations qui ont exprimé leur désir de changement à travers donc le vote qui a sanctionné donc l'installation de ce conseil municipal ne comprennent pas pourquoi et ce revirement. Mais ce qui est sûr, c'est que la loi s'impose à tous, les décisions de la Cour suprême s'imposent à tous. Vous ne restez pas sans savoir que c'est parce qu'un siège de la FCBE a été invalidé dans cette localité, justement, la raison qui motive. Absolument, mais le constat, c'est que moi, et ce que je constate, c'est qu'il y a quand même des recours de part et d'autre. Il y a des recours de part et d'autre. Et est-ce qu'il ne serait pas bon que cette Cour, au lieu de vider le contentieux par séquence et par séquence, vide le contentieux une fois pour de bon, pour permettre donc aux populations et au conseil même d'avoir une idée de ce que doit être la configuration et du conseil municipal de Paracou. Et ce matin, qu'est-ce qui s'est concrètement passé parce que la séance a été reportée à une date ultérieure? Justement, c'est parce que la tension était vive. Le préfet a bien fait de reporter la séance. Parce que les populations ne comprennent pas. Parce que les populations aussi savent que, et ceux, n'est-ce pas, les FCBE, les BR et l'UP, les trois forces en présence au niveau du conseil, on sait déjà qui ont envoyé des recours. Les FCB également ont envoyé des recours, mais la Cour elle est restée silencieuse. Et moi, on s'est dit en tant qu'observateur, et les populations justement demandent à ce que, une fois pour de bon, la Cour vide tout le contentieux en ce qui concerne la municipalité de Paracou. Au lieu de vider par séquence, et intermittence, ça veut dire de vider les contentieux par séquence. Il faudrait donc vider une fois de bon. Et puis, il y a quelque chose qui me frappe à l'œil en tant que communicateur, en tant que journaliste. Vous savez, la Cour a laissé place aux relayeurs des réseaux sociaux, ce qui crée une confusion vraiment inadmissible. Dans une république sérieuse, il serait quand même bon, puisque la Cour est une institution de la République, mais au lieu de laisser la place aux réseaux sociaux, pour que les relais informent les populations, vous voyez, ce n'est pas des canaux indiqués, ce qui crée vraiment une confusion au sein de la population. Malik Chabi Hiro? Oui. Vous avez dit que c'est au lancement que le préfet a reporté cette élection à une date ultérieure. Est-ce que c'est-à-dire que les différents concernés, les différents conseillers convoqués ne sont pas réunis, ne sont pas présents, c'est ça? Le constat fait ce matin en tant qu'observateur, c'est qu'il y avait au niveau des FCBE, le maire et ses adjoints, oui, et les CA, c'est-à-dire les chefs d'arrondissement. Enfin, oui, il y avait à peine, hein, je pense si j'ai bien compté, il y avait à peine six représentants, six conseillers FCBE. Les autres conseillers n'étaient pas visibles dans la salle. Donc le quorum n'était pas atteint, c'est ça? Hein, vous dites? Le quorum n'était pas atteint, c'est ça? Bon, le quorum, les gens ont quand même signé une liste de présence. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un malaise quand même au sein de ce conseil où les gens, quelque part, chacun a sa position parce que c'est des états-majors et chaque état-major a sa stratégie, et, n'est-ce pas, c'est-à-dire ça, chaque état-major à sa manière de faire. Donc, ils étaient là, la pension, le préfet a constaté, il a vu. Enfin, les gens, ils ont fait une liste de présence.
Mais il faut aussi reconnaître qu'il y avait une tension vive, hein, apparemment, dans la ville. Les populations étaient tous mobilisées, on ne sait pas, chacun dans son camp. Et puis moi, je pense que la décision du préfet a été une décision sage. Je ne dis pas qu'il est partisan, mais il a pris quand même une décision sage. Parce que Parakou aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est une ville symbole où la ville est tellement... Les populations qui ont exprimé un changement à travers leur vote, n'attendent pas qu'on leur fasse un coup de force. Bon, je ne rappelle pas cela, coup de force, mais il serait bon, oui, il serait souhaitable que la Cour suprême, oui, vide une fois pour de bon les contentieux en ce qui concerne la ville de Parakou. Et ça pourrait même servir d'exemple pour les autres villes. Au lieu de vider... Bah, vous avez, il y a des recours. Oui, nous tendons déjà vers la fin. Allez-y rapidement pour conclure. Je ne vais pas donner des exemples. Oui. Mais je dis, c'est bon. Au lieu que la Cour garde son silence et que ça soit à travers les réseaux sociaux qu'on informe les populations de ce qui doit arriver, il serait bon que la Cour trouve vraiment un autre mécanisme pour mieux informer et vider une fois pour de bon les contentieux en ce qui concerne les recours. Malik Tchabiro, merci. Merci, cher ami. Merci et bonne journée à vous. Merci infiniment, mesdames et messieurs. C'est donc terminus. Tout le monde descend. À l'instant, c'est donc Malik Tchabiro, un observateur de la vie politique de l'autre côté, journaliste et communicateur de la ville de Parakou, qui nous expliquait un peu la façon dont les choses se sont donc déroulées jusqu'au report à une date ultérieure de cette élection du conseil communal de la ville de Parakou. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Guérite TV toujours reste aux aguets pour vous informer en temps réel. Au revoir.